have to be working in the service of something that's bigger than me. Like, how can my work impact the people who are around me, and how can I use that to impact the vision of the world that I want to live in? I'm trying that way again and again. There's no time for giving up. La fracture numérique, c'est avant tout une fracture sociale, plus qu'une fracture générationnelle. Pour les startups, c'est une occasion d'apporter des solutions complémentaires pour que des gens qui seraient aujourd'hui isolés de ce monde du numérique puissent y rentrer. Il y a tout un mouvement aux États-Unis qui dit que les entreprises ne doivent plus chercher à être les meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Parce que les entreprises, évidemment, ont intérêt à toucher un marché le plus large possible, ça va de soi. Mais je pense qu'il y a, se mêle à ça aussi, un nouvel impératif de justice sociale qui est largement partagé. L'idée qu'il ne doit pas y avoir de territoire abandonné, il ne doit pas y avoir de personnes sur ces territoires qui n'ont pas accès au même niveau de services publics. Et ça, je pense que c'est très fort et que c'est un vrai défi pour les entreprises qui doivent y répondre. Et donc, il faut qu'on soit capable de renouveler notre société. Ça prend une génération, deux générations, probablement une cinquantaine d'années pour qu'on soit capable d'aller dans ce sens-là. Et je crois que c'est notre responsabilité à tous d'être capable de faire évoluer notre pays, de faire évoluer la France pour aller vers cela, d'être capable d'aider les gens qui y vivent, les gens qui y habitent, pour basculer de ce monde vers un autre monde. Bien, donc bonjour à tous, nous allons vous présenter notre start-up HD Rain qui travaille sur la mesure et les prévisions de pluie à haute résolution et à bas coût. Donc, c'est moi qui chante. Pardon. Donc nous utilisons les signaux qui proviennent des satellites de télévision. Donc ces satellites existent déjà dans l'atmosphère, ils émettent des ondes électromagnétiques, et nous, on a simplement construit un petit boîtier électronique qu'on va venir brancher derrière des paraboles commerciales de télévision, qui va mesurer le niveau du signal arrivant du satellite et la perte de signal, l'atténuation du signal dû à la pluie. Trois cofondateurs, Ruben Alali, CEO de l'entreprise, ingénieur météo, docteur en météorologie, moi-même François Mercier, CTO de l'entreprise, également ingénieur et docteur en météo, Minda Ratnayake, ingénieur électronicien qui lui a développé le boîtier électronique utilisé pour faire la mesure. Les aspects business et concurrence, et notamment l'analyse un petit peu de la concurrence qu'il y a sur ce marché. Celle-ci passe pas. On va proposer des produits, deux types de produits. Produits de type confort, à savoir pluie, non pluie et quantité de précipitation. Et des produits critiques, donc tout ce qui va être alerte concernant la grêle, les inondations et ou la sécheresse. Donc l'objectif d'ici 5 ans, c'est de faire un revenu cumulé de 4 millions avec un résultat net à environ 1 million d'euros, en comptant sur une part de contrats récurrents, à savoir des gens qui s'abonnent à nos produits et qui renouvellent au cours du temps, une part de contrats récurrents qui est entre 33%, donc un tiers, et 40%. C'est tout ? Ça y est ? Terminé ? Ouais. Ça, c'est ton slideshow ? Ouais. D'accord. Vous avez gagné tous les deux une séance gratuite pour un cours de communication en public. Parce que quand tu parles à un public, quand tu t'adresses à un public, tu t'adresses pas à des oreilles, tu t'adresses à des yeux en premier. Et moi, je vais retenir de tout ce que tu m'as raconté des grandes images. Si ta présentation est hésitante, si tu as tendance à avoir des yeux qui naviguent, comme tu le fais souvent, on se dit « Ah, ils sont pas à l'aise, ces mecs ». Ensuite, dans ton introduction, aujourd'hui, je n'ai pas ma part de rêve. Toi, avec ton honnêteté intellectuelle et votre honnêteté scientifique, vous allez vous rejeter ce genre d'idées. Mais on est dans un monde, la mode domine les esprits, très souvent. Et si vos investisseurs entendent les mots neuronal, objet connecté, tout de suite là, ah, ils se disent, ouais, c'est quoi notre techno ? Non. Si je résume ta techno, c'est quoi ? Je peux dire que je fais du cheval aussi. C'est quoi ta techno ? Si je la résume, c'est quoi ? C'est. Allez. C'est des objets connectés, répartis en réseau, associés à un réseau de neurones et à des algorithmes de traitement pour faire de la Donc il y a de l'intelligence artificielle ? Oui, il y a de l'intelligence artificielle. Ouais.
Oui, oui ou non? Bah oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais si tu veux, on est... Oui, il y a de l'intelligence artificielle, oui, il y a de l'apprentissage. On est en plein dans les mots qui buzzent, je suis d'accord. Eh ben, faut les utiliser, les mots qui buzzent. Pas outrance, faut pas exagérer, mais faut les utiliser. Oui. T'as combien de personnes ici maintenant? 20. 20 personnes? 20 personnes. D'accord. C'est elle qui s'occupe aussi de tout ce qui est la gestion du plateau, avec les interprètes. Vous savez, la langue des signes a été bannie de la société pendant 100 ans, de 1870 à 1991. Je sais même pas. Wow. Donc en 1988-89, c'était impossible d'apprendre la langue des signes, il n'y avait pas de cours, donc j'ai cherché. Et à un moment donné, j'avais trouvé un endroit où la personne au téléphone m'a dit « Pourquoi vous voulez apprendre la langue des signes? Vous avez des sourds dans votre famille ?» Donc j'avais dit « Bah non !» Et elle m'a dit « Bah on n'a pas besoin de votre pitié !» Bon, alors je me suis dit « Voilà, les sourds, ils sont pas sympas !» Et donc j'ai appris le russe à l'époque. Le monsieur qu'on parle, c'est un sourd. Donc, à la voix du Sylvia, qui interprète, qui traduit ce qu'elle veut. C'est moi. Et du coup, les premières conversations que j'en prenne, c'est pour gérer du problème administratif, du problème d'impôt, du virement, tout. Famille, médecin, parce qu'ils sont employeur parce qu'ils sont en retard, rendez-vous avec le médecin, le vétérinaire, les profs des enfants. Can we take 21? Girl! What? No! Where? When? Why 21? If okay. 20 is 20? Is solid. No, I'm sorry. 20 is solid. I'm alone. It's already a challenge. You're not alone. Yeah, in but I will be alone in the classroom managing 20 people. Yeah. It's a lot. Like 20 is... No. We started at 15. You told me, can we do 20? So we are not doing 21. No. I'm sorry. D'abord, en quoi c'est important de savoir la pluie qui va tomber? Tu t'affirmes tout, au bout d'un moment, ah ouais, puis on peut avoir une prévision à 2 heures. D'accord? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, une prévision à 2 heures? Si tu m'as pas expliqué les enjeux d'une prévision à 2 heures, par exemple, dans le domaine de la prévention des risques, avoir une prévision à 2 heures, ben ça change tout. Non, non. Les gens ont des enjeux. Et moi, j'arrive avec une solution qui est ultra compétitive pour résoudre leurs enjeux, pour répondre à leurs enjeux, pardon. Il est là, ton discours. On ne sait ni prévoir, ni mesurer la pluie sur 80% du territoire dans le monde. Pour quelles raisons? Et quels sont les enjeux? Alors, quels sont les enjeux, déjà? À quoi ça sert de mesurer la pluie? Tac, tac, tac. Voilà, je vous donne 3 exemples. Bam, bam, bam. Ah, vous avez compris les enjeux? Et maintenant, pourquoi? Comment ça se fait que... Mais parce que c'est trop cher. Parce que mesurer la pluie, ça nécessite des infras qui sont beaucoup trop coûteuses. Et pourtant, il y a des enjeux en termes de sécurité, en termes d'ananie et en termes de gestion de la ressource. Imaginez-vous que vous venez quand même combler une sacrée lacune avec ton procédé. On entre dans une nouvelle ère de sciences météorologiques. Il n'y a jamais personne qui a réussi à faire un capteur qui voit la pluie. Donc on révolutionne complètement le monde de la météo. Ah, oh, waouh! Hein? Terminé? Ok. Réfugié goes first. Well, of course. Okay, so gender, status, CAF, RSA, yes, and then education level. You can do the yeses, and then we'll see how many there are. Okay, but let's go. I'm ready. This is my star right here. I'm ready to really, really defend my choices. What's the hesitation? Either Salesforce, either code is not there. So Naeem will go in here. I told you he's in. What's the issue? Can you move him to maybe? Nimco should be. For me? This is where Nimco goes, okay? One more. I feel like she like wants to code. I see it. I know, but and it's... she's physically, technically really good. But he wants it. It becomes like hard because you meet these people and you really You're want to help them. We picked our 20, and of course, like there's some people that
we had to say no to, but I think we knew that going into it, like we had 40 candidates and only 20 spots, so we knew it wasn't going to be an easy decision. So I'm happy with the 20 that we've picked, but it's also like in the people we've said no to, they're people that we've worked with since the beginning, and it's just it's a shitty part of the job. Like, I don't want to have to say no to anyone, but it's just because we don't have the space to take in more. And so I think that's why sometimes we take on that pressure and that stress as our own. Yep. Oui, bonjour monsieur, je suis interprète en langue des signes pour le relais téléphonique Roger Voice et il y a une personne sourde qui vous contacte par téléphone. Donc je vais traduire ces échanges. Bonjour monsieur, je suis interprète en langue des signes pour le VRAP. Une personne sourde entrée en contact avec vous. Est-ce que je vous donne mon numéro de compte client ou pas? Je t'appelle rapidement juste pour savoir si tu as fait la procuration. C'est comme s'il cherchait un gros problème à avoir avec moi. Et en plus j'ai personne pour me protéger. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit j'appelle les avocats parce que je suis handicapée. Peut-être que vous protégez les personnes handicapées, c'est pour ça. Tu me l'as donné à moi? Tu me l'as donné à moi? À moi? Je t'entends que tu parles. Oui, c'est une première question que me pose. Ah bon, tu m'entends? Mais oui, je t'entends. mais probablement pas de la même manière. Les phrases du genre ça vaut pas le coup, c'est compliqué, Google, Microsoft, ils vont le faire et puis mais ça fait des années, ils l'ont toujours pas fait. Faut avoir l'envie mordant de le faire pour aller jusqu'au bout parfois. Demain c'est comité de financement Wilco, donc on va chercher 90 000 euros normalement. Si on l'a pas, on va être obligé d'être de trouver d'autres. Franchement, je sais pas encore. We are going to be in Malawi. C'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Ça marche pas bien. On va tout péter, on va tout refaire, on va faire un truc carré. Je pense que les chiffres derrière ils vont augmenter, c'est sûr.